La pêche à la carpe utilise une technique étonnante dont les frères Mahin vont nous dévoiler quelques aspects. Nous allons assister tout d'abord à la fabrication des bouillettes par Philippe, puis celle des boules de maïs par Michel. Nous voici chez l'un des frères Mahin. Observons-les. Philippe ajoute à de la nourriture pour oiseaux 5 kg de carpes. C'est ce qu'on a fait, mais avant tout pour les pêcheurs. Bon, alors là, il brasse énergiquement. Et divise sa préparation par dose de 1 kg. On va deux. Le troisième devrait faire 1 kg. Voilà. Bon, là. Je vais vider ça dans une autre récipient parce que je récupère ma gamelle pour refaire encore 1 kg. Alors c'est reparti. On va deux. Allez, 1, 2, 3. Bon, se débarrasser un peu. Il dispose à portée de main tous les additifs. Colorants, arômes, sweeteners, rehausseurs, vitamines. Puis il sort de son armoire une boîte contenant divers instruments tels que doseurs gradués, seringues, fourchettes, cuillères doses, etc. Les seringues, important. Et ce sera tout pour le moment. Bon, on va commencer par les vitamines minéraux. Il pèse du Vitrex, un concentré de vitamines et minéraux, 80 grammes par kilo de préparation. 80 g de Vitrex. Après, je rajoute... Il rajoute 2 cuillerées à café par kilo d'un stimulateur d'appétit en poudre. Cuillère à café par livre, en principe, j'en mets 2 cuillères puisque j'en ai 1 kilo. Alors tout ce qui est en poudre, tout ce que je rajoute en poudre, s'additionne à la poudre. Ainsi que la même quantité de Sweet Bay en hausseur qui est un rehausseur de goût. Une cuillère à café par livre, j'en ai assez. Puis une cuillerée de colorant par kilo. Il est en poudre, donc le colorant en poudre, je le rajoute dans la poudre. Alors une cuillère à café pour 1 kilo, ça suffit amplement. Voilà. Il distribue les mêmes quantités d'additifs dans chacune de ses préparations. 1, 2, 3, 4 rouges. Voilà. En fait, il y aura des rouges et des oranges. Il réalise son mélange en secouant énergiquement deux cuvettes emboîtées pendant 2 à 3 minutes. 3-4 minutes. Là, on pose. Attention à la poussière. Il constate l'homogénéité de sa préparation. Là, on suppose que tout est bien mélangé, ça se voit. La couleur est bien homogène. On peut aussi utiliser un sac plastique pour le mélange. Ça fait le même effet. Il sort du réfrigérateur des acides aminés chimiques et naturels d'emploi facultatif. Il casse 10 œufs par kilo, jaune et blanc mélangés. C'est largement suffisant. Je casse les œufs, blanc et jaune. Il dose à la seringue 4 ml de sucre sous forme d'intense sweetener par kilo. Cette quantité convient pour l'été. 10 ml sera la dose maximum en hiver. Il ajoute enfin 6 ml d'arôme. Un produit très concentré, 1 pour 1000. Cette dose suffira car l'été, les produits diffusent davantage. 6 ml suffira amplement parce que les œufs sont chaudes, les arômes se développent plus. En hiver, on peut charger davantage. 5000, 6000. Alors l'utilisation de la seringue, c'est plus pratique que le compte-goutte, c'est un peu plus rapide. On a la dose directement. Bon, après on continue. Les œufs sont battus en omelette. En omelette. Bon, la fourchette ou le mixeur, pour 500 grammes. Il dose, selon les indications du flacon, le composé d'acides aminés chimiques. Pour celui-là. Celui-là, il est... C'est un concentré de synthèse. Il vaut mieux pas trop le dépasser.
Ça, c'est les doses. Par contre, celui-là naturel... En revanche, il charge davantage le composé d'acide aminé naturel, de l'aquaminocatchoum, à 50 ou 60 millilitres par kilo. C'est efficace, il faut en mettre. Celui-là naturel, ça ne pose aucun problème. Voilà. Voilà, il ne me reste plus que l'huile à mettre. Dans l'huile, j'en mets 20 millilitres, 10 à 20 millilitres par livre. Enfin, il verse 30 à 40 millilitres d'huile dans les œufs. J'ai mis 20 millilitres, ça va suffire. Le mixeur est plus rapide quand même. Après avoir mélangé le liquide, il le verse dans la préparation en poudre. On fait une petite fontaine et on arrose. Bon, on fait notre ciment, hein, notre colle. Bon, en principe, je dois tomber à peu près juste parce que c'est d'habitude. Bon, voilà pour le travail à la fourchette. Là, je vais y mettre les mains. Il termine le mélange en pétrissant la pâte à la main. Bon, la pâte est bonne. Je ferme la pâte. Il sépare la pâte en deux et roule deux boudins du diamètre du pistolet pneumatique. Je vais rouler un gros boudin du diamètre de mon pistolet, que je vais rentrer à l'intérieur de mon pistolet. Alors la pâte se travaille toute seule. Hein. Là, je récupère mon pistolet, je enlève l'embout supérieur de mon pistolet, je prends mon boudin qui doit rentrer dedans normalement. Il charge son pistolet. Voilà. Je le tasse un seul compris un peu dedans. Je remets la partie supérieure et là, je mets en pression. Bon, je vais travailler ici. Il se dirige vers un moule à bouillette de grande dimension réalisé par lui-même et son frère. Voilà. J'étale mes boudins. Donc, il allonge plusieurs boudins sur le moule. Je les mains à bout pour pas qu'ils sautent. Et là, c'est sans peiner. Hein. Il y a juste un bouton appuyé puisqu'il est alimenté par l'air. On pourrait en mettre 7 ou 8 et je préfère en mettre 3 ou 4. C'est moins dur à comprimer, à rouler. On va faire avec 3. A l'aide de la partie supérieure du moule, il comprime les boudins et les roule en un mouvement de va-et-vient. Il évacue les bouillettes à l'aide d'une réglette. Il répète l'opération jusqu'à épuisement de sa pâte. Voilà. Là, posez là. On va glisser un autre dessous. Et on est reparti. Pour une autre séance. Et voilà. Bon, nouveau appareil pour la cuisson. L'eau est encore assez chaude. Bon, alors là, je prends une dose de bouillette que je vais ébouillanter. J'en prends pas trop la fois parce qu'après, on refroidit l'eau trop rapidement. Donc là, j'ai un soir à constituer ma dose et à l'évite de m'ébouillanter. L'eau est bout. Je dépose des bouillettes dedans. Sans se faire éclabousser. On secoue le panier pour pas qu'il colle au fond trop. Et je démarre le chronomètre. On va les laisser une minute et demie. Bon, alors là, les bouillettes commencent à remonter en surface. C'est qu'elles sont cuites. Hein. Ça fait une minute vingt. On considère qu'elles sont assez cuites. Je les mets dans une passoire. On les égoutte un peu. Et on les fait sécher. Voilà. Bon, puis là, maintenant, on est tranquille, on peut les laisser sécher 3-4 heures, une demi-journée. Et on continue pendant ce temps-là.
Je l'évite à ma toisseur. C'est reparti. Voilà. Bon, là, en fait, on a 1 kg de préparation sèche. C'est des bouillettes de 19 mm. Ça fait un petit amorçage. On va les mettre dehors pour qu'elles sèchent plus vite. Hein. Philippe va nous montrer un matériel de fabrication moins sophistiqué. Ça, c'est beaucoup plus simple, mais c'est suffisamment efficace. Hein. Le pistolet est le même que celui que j'utilisais tout à l'heure, sauf qu'il est mécanique. Donc, poignée. Et il n'est pas indispensable non plus. Vous voulez. Bon, c'est beaucoup moins rapide, mais ça se fait quand même. C'est le même principe, après le moule est plus petit. Et c'est exactement le même principe. Et dessus, on compris. Et on roule. On fait nos bouillettes. Bon, c'est moins rapide, le rendement n'est pas le même. C'est plus économique. Après la fabrication des bouillettes par Philippe, qui servira à l'amorçage à grande distance, nous assistons à la confection des boules par Michel pour l'amorçage en Loire. C'est un amorçage constitué de graines de maïs cuites aromatisées avec une poudre de vanille. 5 à 10 litres de graines sont nécessaires pour un bon amorçage. On en met très peu. L'odeur est suffisamment forte. Une argile blanche particulièrement collante. Une véritable mastic qui va servir à coller les graines. Voilà. Pour l'instant, on va travailler avec ça. Les graines agglomérées sont peu accessibles à l'appétit des poissons blancs, à l'opposé des carpes qui sont des poissons fouilleurs. Un peu d'argile et une grosse poignée de maïs. Et je serre les graines de maïs sur l'argile de façon à rentrer un maximum de graines dans l'argile. Évident que ce n'est pas l'argile qui attire les carpes, c'est le maïs qu'elle contient. Michel humidifie l'argile qui sèche trop vite au soleil. Les graines sont sèches, l'argile est humide. Dans ces conditions, il est facile de rentrer un maximum de graines dans l'argile. Pour terminer, les boules sont séchées dans de la farine de type carpe 3000. Les boules sont prêtes pour un amorçage en Loire. Ce soir, les frères Mahin pratiquent un amorçage en ballastière à grande distance. Ils utilisent un tube appelé Cobra qui projette à plus de 80 mètres des bouillettes. Cette ballastière est un plan d'eau difficile qui contient de grosses carpes. Mais elles sont méfiantes car elles ont déjà été pêchées. Seule boule, c'est mieux, ça va plus loin. La boule bien au fond, le tube presque à l'horizontale, bien dans l'axe d'où on va viser. C'est plus rapide que le lance-pierre. Et c'est plus économique en caoutchouc. Mouiller le cobra permet de diminuer la vitesse de projection des bouillettes. Cela évite qu'elles n'explosent à la sortie du tube. Le lendemain, au lever du jour, nos pêcheurs équipent leur ligne d'une bouillette au niveau de l'hameçon sur le cheveu et de deux bouillettes additionnelles qui servent d'amorçage sur du nylon soluble.
Pour lancer avec précision, le plomb doit être parfaitement stabilisé. La ligne est coulée pour la mettre en position de pêche. Je déplace un peu ma ligne pour la tendre. Je mets le coup en tension. Voilà. Alors là, je mets l'écureuil. J'utilise des écureuils relativement lourds parce que je pêche à loin. Voilà. Bon, la ligne, elle est en action de pêche. Je vais me bouiller de temps parce que je me suis aperçu qu'il y avait de la vase. On va essayer. C'est bon. Là. La ligne est posée sur le fond. Je tends bien la bannière. Mise en place. J'ai oublié d'allumer l'électronique. Voilà. Bon, pas oublier de mettre l'entire-tour, le frein, de vérifier. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Celle-là, elle est bonne. Les bouillettes d'amorçage sont égratignées pour qu'elles libèrent davantage leur arôme et leur additif. Michel lance ses lignes légèrement plus loin que l'amorce et prend soin de bien les éloigner les unes des autres. Il tend la bannière et desserre le frein pour ne pas être surpris par une touche immédiate. Il est important de repérer l'impact de chaque ligne de façon à pouvoir replacer la ligne qui a eu une touche au même endroit.
une touche à revenir, au poste de Michel. Il fait un amour blanc. C'est un poisson qui ne prend pas de fil. Il revient sur le bord où il se bat. C'est bon ? L'amour blanc ? Ils sont pas énormes, ils font 4-5 kilos. Et Décroché. Il a vu la lumière, ou il a vu peur. Il a vu la berge, c'est très beau. Énorme, mais c'est passé, Lucas. Ouais, elle a déjà été prise. Ouais, elle a déjà été prise. Ah, 8 kilos à peine. Ah, si. Ah, 7 kilos 9. Allez, pauvre. C'est pas un monstre, hein. Elle est jolie, elle est docile, oui. Demi-tour. C'est parti. Voilà. Entre les touches, il est bon de rappeler avec quelques poignées de bouillettes. Inutile de trop amorcer. Il y a la billette dans le panier. Allez, on va faire
mettre de l'œuf dedans. Épuisé encore. Le vent dans le fil. Parce qu'il est cuit. Il est beau, hein. Il est super. Et le bruit. Il est super. Attention, je défonce l'épuisette. Ça va être cool. Ça. Ça, c'est un peu fou comme tu dis. Oui. Attention à ce poisson-là. Attends, je vais aller chercher mon matelas. Il a déjà été pris ce poisson-là. Il peut se mutiler comme il faut. Voilà, hein. Que j'ai abîmé. Il est mort comme ça, mais attention, il est pas mort. Hein. Ça a les écailles relativement fragiles. Ouais, il a déjà été pris ce poisson-là. Aussi, oh, regarde. C'est un hameçon quand tu l'enlèves, puis t'en manges pas ça dans un doigt. Il avait déjà été pris, ouais, hein. Attention, attention. Ouais, genre de réaction du poisson, ça. C'est tout à fait l'amour blanc, ça. C'est une bouillette flottante. Il m'a remonté mon plan. Il m'a rongé la bouillette. Voilà. On le pèse, non? On va pas pouvoir. On va peut-être se relâcher tout seul, même. Super. J'espère que tu l'as eu, là. Pas de ligne. Bon, le fil, c'est un matériau moderne, mais bit qui est vendu actuellement, c'est très bien à faire. Hein. Donc j'enfile mon fil à travers mon œillet d'hameçon. J'en garde une bonne longueur derrière, ça va me servir à faire mon cheveu. Et là, je fais un nœud de pêche. Hein. Tout ce qui est plus simple. Ça, 5-6 tours. Voilà. Bon, mon hameçon, et après, je la repasse dans la boucle. Voilà, et après on serre le nœud. Bon, la partie que j'ai gardée là, va me servir à constituer le cheveu. Et pour ça, je la remplis dans l'œillet par le dessous. Comme ça. Ça va me tenir mon cheveu en place dans l'axe de la hampe. Voilà. Et là, il ne reste plus qu'à faire la boucle avec cette partie-là. C'est pas toujours facile, il faut avoir des petites mains. Mais on y arrive avec l'habitude. Voilà, le bas de ligne est réalisé. Le cheveu est donc ici, constitué des mêmes matériaux. On aurait pu le faire avec un fil plus fin. Il ne me reste plus qu'à mettre à longueur le bas de ligne, à longueur voulue. Sur un montage de fuite, les petites empiles sont plus efficaces. Ça ne sert à rien d'avoir un bas de ligne de 50 cm. Voilà, le bas de ligne est à longueur. Je coupe un petit morceau de gaine que je vais enfiler sur l'hameçon pour tenir l'ensemble. Je fais glisser le petit morceau de gaine pour tenir mon cheveu dans l'axe de l'hameçon. Bon, alors pour fixer la peau, rien de plus simple, hein. Percer la bouillette avec un post-bouillette. Prendre la boucle du cheveu à côté, voilà, faire glisser la bouillette jusqu'à l'hameçon et l'arrêter avec un post-bouillette. Post-bouillette de n'importe quel genre, hein. Morceau de gros nylon, tout ça fait l'affaire. Hein. Petit morceau de bois si on n'est pas riche. Voilà.
Le piège est prêt à fonctionner. Là. C'est bon. Là. Elle a détendu la ligne. Ça me paraît pas énorme. On ne peut pas savoir où l'arche comme ça. Ça vient gentiment mais sûrement. Ah, elle est partie cette garce. Elle est partie hein. Décrocher. Elle n'a pas cassé, elle a décroché. Il n'y a plus de bouillotte. C'est une bouillotte flottante. Ça, ça m'intéresse. Voyons, en bas de ligne, il n'est pas beau. Derrière les bouts. Il y a une demi-heure pour y aller. Attendez, là où est-ce que ça pointe, ça brille. Elle est trop haute. Allez, descend un peu. Tu es trop pour loin de 30 livres. T'es malade toi? Non. Si on en fait voir, c'est trop mal. Ouais, elle fait plus de 20 livres, arrête. Ouais, c'est un beau poisson. Je savais que t'avais un massacre. Ça fait 10,5 kg, ça fait 21 livres.
saloperie, dis donc, la peine de ces misères. Michel aime aussi à pêcher en étang, à partir d'une barque, ce qui lui permet de traquer les carpes là où il les a repérées. Il dépose un repère sur l'eau et amorce autour. Ensuite, il place le bateau sur un repère fixe, d'où il règle sa distance pour amorcer convenablement par rapport à son repère d'amorçage et des repères naturels. Le lendemain, avant l'aube, Michel se rend au repère fixe en évitant de faire du bruit. Dès qu'il est installé, Michel rappelle avec une cinquantaine de bouillettes sur son repère. Des portions de joncs fendus servent d'indicateurs de touche. Vous savez comment elle fonce.
serait molle. Plein de laitance. Belle, hein? Neuf kilos. La Loire est un fleuve généreux en poissons, apprécié des pêcheurs. Michel est venu ce soir amorcer sur son cou, avec des boules et des graines, à quelques mètres de distance, afin de fixer des carpes pour le lendemain matin. Michel réalise un amorçage copieux sur une quarantaine de mètres en aval de son cou. Demain, à l'aube, Michel amorce à la boule avant de s'installer avec discrétion. Michel confectionne une pelote autour du plomb. Sur ce coup, l'anti-angle ici utilisé n'est pas indispensable. Les lignes sont installées en aval, sans écureuil, avec seulement des avertisseurs sonores. L'attente s'effectue en amont des cannes. Michel monte sur la digne pour bien lever le poisson, car le fond est bourré d'obstacles. Au moment de passer l'arbre, le poisson se réfugie dans un obstacle. Le décrochage est inévitable.
grande celle-là. Au sommet, le poisson est plus facilement dominé. Quand le poisson se fatigue, on peut redescendre. On doit s'arranger à sortir le poisson plus loin que les lignes, sous peine de voir le nombre de touches se raréfier. Une carpe commune, pressée de retourner à l'eau. En Loire, quand il y a beaucoup de touches, les poissons ne sont pas très gros. En revanche, ils sont combatifs.
Michel a deux touches en même temps. Un collègue hollandais profite de la fête. Michel relâche une commune, tandis que le Hollandais remet à l'eau une miroir après un joli combat. Une carpe cuir pour terminer cette saga. Allez, grossir. Pendant ce temps, à la balastière, Philippe ne perd pas son temps. Ah, c'est bon, c'est pris. Oof.